Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jaybreak, et après vous avoir fait le déballage du Beats Executive, je vais déballer avec vous le Marshall Headphone, donc le casque Marshall. Donc voilà, pour ce casque, j'ai choisi le modèle Major en noir, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Sur ce côté-là, vous pouvez voir tout simplement la forme du casque Marshall. Derrière, quelques descriptions pour ce casque et puis comment ça marche. Donc par exemple, le microphone. Ici, c'est les quelques notes, de toute façon, comme sur chaque emballage. Ici, on peut encore retrouver des notes avec ce que contient cette boîte. Donc voilà, donc c'est une boîte en carton, tout simplement. Ce n'est pas la même qualité que la boîte d'un Beats, il faut le savoir, mais ce n'est pas du tout le même prix. Ça aussi, il faut le savoir. Ce casque Marshall, je l'ai acheté au prix de 89€ à la Fnac, alors que mon Beats, je l'ai acheté presque 300€ à la Fnac. Donc, c'est pas la même qualité sonore, mais ce n'est pas non plus la même qualité. La qualité du package n'est pas la même, tout simplement. Alors, on va l'ouvrir tout simplement. Alors, on l'ouvre comme ceci. Voilà, alors ici, il n'y a rien. On n'a plus besoin de cette partie. On va la décoller comme ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit package comme ceci. Je vais descendre ça comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, dessus, on peut voir une prise jack pour brancher à vos amplis. Donc on va mettre cet adaptateur de côté, comme ceci. Maintenant, on va le soulever. Voilà, donc tout est en dessous. À l'intérieur, il y a un adaptateur, on va y revenir plus tard. Et ensuite, il y a la notice du Marshall. Donc vous pouvez la lire, c'est dans plusieurs langues, japonais. Donc c'est en plusieurs langues, je vous laisse découvrir si vous en avez un, bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà à quoi ressemble le Marshall. Maintenant, en dessous, on va décrocher ça. Voilà, donc après avoir tout décroché et tout enlevé, on peut voir notre câble, celui qui va être relié à notre téléphone, que voici. Donc vous prenez votre téléphone et vous le branchez. Bon, pour l'instant, on va revenir à cet adaptateur. Hop, on branche ça comme ça. Et puis, vous pouvez le brancher dans votre ampli ou dans un instrument de musique. Donc, voilà, donc c'est pour les musiciens. Cet adaptateur, donc on va l'ouvrir. Voilà à quoi il ressemble. On le branche dedans. Hop, et en fait, c'est pour faire un petit rajout sur votre... sur votre fil, tout simplement, pour en fait qu'il soit un peu comme celui-ci. Donc c'est une Beats, donc on peut voir que c'est la même chose, ou alors en fait c'est juste moins encombrant que quand c'est comme ça, tout simplement. Ça dépend de vos goûts, de vos habitudes. Donc c'est comme vous voulez. Voilà, on va le poser là. Donc sur ce fil, il y a une télécommande qui est ici, voilà, qui est signé Marshall en passant. Je me rappelle plus de son fonctionnement, on va regarder vite fait. Alors, quand on appuie une fois, c'est pour faire play, pause, appeler ou raccrocher. Quand on appuie deux fois, c'est pour passer la chanson. Et quand on appuie trois fois, c'est pour revenir à la chanson précédente. Donc, c'est différent des télécommandes habituelles comme celle-ci ou bien comme celle-ci. Donc ça, c'est celle d'Apple pour les AirPods. Donc c'est un petit peu différent. Bon, il n'y a qu'un bouton. Mais sur les télécommandes habituelles, je crois pas qu'on puisse revenir en arrière. En tout cas, je m'en suis jamais servi. Sinon, sur ce casque, premier aperçu, il est très élégant. Petit. Donc il n'est pas très visible, vous pouvez facilement, si vous avez peur de vous le faire voler, si vous avez peur de vous faire voler votre casque, si jamais vous en mettez un, celui-là est plutôt discret. En plus, je l'ai pris en noir, pas en blanc.
parce qu'il existe en plusieurs coloris, donc noir et blanc. Donc voilà. Ensuite, tout simplement, il a un très bon son, donc pour son prix, il faut savoir qu'il a un très bon son. Maintenant, tout dépend de ce que vous écoutez, mais en général, il a un très bon son sur tout genre de musique. Voilà, ensuite il a un son son clair et agréable, je trouve. Bien sûr, ça va pas être avoir une aussi bonne qualité sonore qu'un bon beat, parce que c'est pas le même prix. Le mien, je l'ai acheté cher, celui-là il coûte quand même 89€, donc c'est un prix très abordable pour un bon casque, franchement. Donc je l'ai acheté à la Fnac, je l'ai comparé avant de l'acheter, bien évidemment, au Beats Solo HD. Pour 180€, le Beat Solo est vraiment, je dirais, nul, contrairement à ce Marshall. Donc je préfère vous avertir, j'ai essayé les deux, et franchement la différence est nette. Celui-là est vraiment très agréable d'écoute. Par contre, seul défaut que j'ai repéré, quand vous le gardez longtemps sur les oreilles, ça vous comprime un petit peu les oreilles, parce que... voilà, les coussinets sont pas moelleux, il faut peut-être que ça se fasse, hein. Je l'ai reçu, mon frère l'a reçu il y a 2 jours, et puis moi il y a 3 jours, et puis moi je l'ai essayé plus que lui, pour ensuite vous faire cette vidéo. Et donc faut que ça se fasse, je pense, quand même. C'est pas aussi moelleux, par exemple, que celui-là, vous pouvez voir. Voilà, mais bon, je pense qu'il faut que ça se fasse. C'est quand même un très bon produit pour son prix. Il faut savoir, je vous l'ai dit, c'est un très bon prix. Son arceau, il est très agréable. Franchement, j'ai été surpris. Au toucher, ça paraît dur, mais en fait, sur la tête, c'est très agréable. Et sinon, si ce n'est les coussinets, c'est un très bon produit. Donc, je vous le conseille fortement. C'est un prix facilement abordable, 89€. Vous pouvez le trouver moins cher, bien évidemment, peut-être sur d'autres sites. Moi, je sais pas, moi je l'ai acheté directement à la Fnac. Donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo comment vous trouvez ce produit, si vous l'avez essayé ou si vous en avez un. Sinon, je vous dis à plus tard. C'était ITJ Break. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube. Et de visiter mon site internet itjbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.